Le deuxième congrès national ordinaire du parti ADR, Alliance démocratique pour le renouveau, a eu lieu dans les enceintes du building Whitestone à mairie de Bujumbura. J'ai invité à ce congrès des représentants du parti ADR de toutes les circonscriptions du pays. Mais certains représentants des partis d'opposition avaient été conviés à ce congrès, y compris l'ancien président de la République du Burundi, Domitien Ndayizeye. Après le discours d'ouverture du congrès par le président AI du parti, tous les invités d'honneur et les médias ont dégagé de la salle. À la fin du congrès, le parti ADR a déclaré que le congrès vient de reconduire Mme Alice Nzomukunda à la présidence du parti. Le même parti fait désormais partie des membres de la coalition RANAC de Chahir au Burundi. La première résolution, c'est de reconduire l'honorable Alice Nzomukunda à la tête du parti. Elle va continuer à diriger le parti pour la période qui vient et pour la période qui est prévue dans les lois de notre parti. La deuxième chose qu'on a analysée, c'est l'adhésion à la coalition RANAC des partis politiques. Notre parti ADR va travailler avec les autres partis qui se trouvent dans la coalition RANAC, juste pour préparer les élections. On va préparer ensemble, voir comment on peut gagner les élections avec les autres. Le parti ADR est contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Pour l'ADR, c'est très clair, le président de la République est à son dernier mandat. Donc, c'est clair, on pense que on ne soutient pas qu'il se reconduise pour le troisième mandat. Parce que, d'après les textes, tous les textes, et la Constitution et l'accord d'Arusha, c'est bien clair qu'il est à son dernier mandat. Sachez que le congrès a eu lieu à l'absence d'Alice Nzomukunda, reconduite car elle est en exil depuis quelques temps.